La compétence à acquérir en travail pratique est la suivante: créer une opération commerciale dont le thème est les deux mêmes produits achetés, le troisième même produit sera offert. Donc 2 plus 1 offert. Donc vous allez dans Fichier, Article. Alors ici en bas, je vais faire un zoom, vous avez Ouvrir le mode. Et quand vous cliquez dessus, vous avez mode rapide et mode complet. Vous cliquez sur mode complet. Une nouvelle fenêtre apparaît que vous pouvez agrandir pour mieux voir. À partir de là, eh bien, vous sélectionnez votre famille. Mettons DPH ou produits frais. Sous-famille, fromage. La marque, on l'avait. Et après, vous actualisez en cliquant sur les deux flèches. À partir de là, vous avez une ligne qui apparaît avec, c'est une particularité, un petit bouton, voilà, à côté du code barre à gauche. Voilà. Vous avez le code barre, vous avez la désignation du produit, la famille, la sous-famille et la catégorie, ainsi que la marque du produit et le prix. À partir de là, vous cliquez dessus. Vous voyez apparaître donc la fiche de l'article Camembert. Donc tout ça a été fait. Et surtout, vous voyez apparaître un petit rond. Je zoome dessus. Donc une petite pastille en fait. Et c'est à partir de là que l'opération commerciale va commencer. Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît en appuyant sur cette pastille grise. Vous avez donc des codes couleurs. À vous de choisir le code couleur. Donc là, en l'occurrence, ça va être rouge. Vous appuyez sur rouge, vous faites valider. Voilà. Et vous voyez apparaître à la place de la pastille grise une pastille rouge qui correspond donc à cette manipulation antérieure. Vous enregistrez, vous fermez, et donc vous voyez apparaître, je vous le fais voir, la même ligne que tout à l'heure avec la pastille rouge qui avait été sélectionnée auparavant. Vous faites fermer. Vous faites fermer. Vous allez maintenant dans l'onglet animation, opération commerciale, parce que c'est bien une opération commerciale que vous proposez au client. Et vous allez devoir créer dans cette nouvelle fenêtre, en appuyant sur le petit plus, une troisième opération commerciale. Alors là, vous mettez la date, vous mettez la date de début, vous mettez la date de fin, vous mettez un titre. Deux achetés plus un offert, c'est peut-être deux achetés plus un offert. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le titre que vous pouvez mettre dans le libellé. Une petite note qui vous permet de renseigner aussi une particularité concernant ce produit. Voilà. Est-ce que je vais l'appliquer à tous les clients ou seulement aux clients de ma carte de fidélité? Ça, c'est vous qui déciderez. Mais là, nous, on va laisser appliquer à tous les clients. Et vous avez donc des pastilles. Alors, on avait dit deux achetés, le troisième offert. Donc, on va cliquer ici. Voilà. Rouge. Valider. Même chose pour la deuxième pastille. Rouge. Valider. Une pastille égale un produit. Rouge. Valider. Et là, attention. Vous avez en dessous mode de calcul, le moins cher remisé, et remisé à combien? Eh bien gratuitement, ça veut dire 100%. Voilà. À partir de là, vous pouvez enregistrer en appuyant sur l'onglet disquette, fermer. Voilà. Et vous voyez apparaître la troisième ligne, cette fameuse opération commerciale, deux achetés plus un offert. Vous fermez. Vous fermez ou réduisez donc cette fenêtre et vous pouvez aller dans le logiciel caisse pour mettre en pratique cette opération commerciale. Vous ouvrez donc la caisse, vous sélectionnez votre vendeur, si vous, votre client et votre vendeur. Voilà, donc vendeur Dupont, client Josette Dulaure qui achète. Alors comme vous le savez, il y a plusieurs possibilités pour rentrer
la désignation de produit, soit avec le clavier. Voilà, camembert, vous cliquez sur camembert. Alors, actuellement, vous n'en avez qu'un. Et on sait qu'il en faut 3. Donc, vous avez cliqué sur l'onglet quantité. Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît, saisir la quantité. Et nous, c'est bien 2 achetés plus le troisième offert. Vous avez mis 3 quantités. Vous faites entrée. Et apparaît en bas, dans l'onglet réduction, une petite couleur qui vous signale que l'opération commerciale a été enregistrée pour le client. Voilà. Et après, ben, il vous suffit d'appuyer sur total. On règle en espèces et vous allez pouvoir voir apparaître sur le ticket. Voilà. Je fais un zoom. 2 achetés plus 1 offert. Ici. Voilà. Donc un offert à 2,89 €. L'opération commerciale est un succès. Et le client est satisfait.